marocaine. L'artisanat marocain. L'artisanat marocain est riche et varié. L'artisan, qu'il soit arabe, berbère ou juif, produit des merveilles. Les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très appréciés. La poterie, elle aussi, produit des articles de décoration exceptionnels et des ustensiles utiles en argile. Ajoutons à cela le travail des métaux, du cuir, des tapis, du bois, du plâtre, etc. Les artisans marocains, groupés en coopératives, sont bien organisés. Ils fabriquent des objets connus pour leur qualité. La finesse de l'artisan marocain apparaît surtout dans l'architecture traditionnelle des mosquées, des minarets, des médersas. Informer et s'informer sur la civilisation marocaine. L'artisanat marocain. L'artisanat marocain est riche et varié. L'artisan, qu'il soit arabe, berbère ou juif, produit des merveilles. Les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très appréciés. La poterie, elle aussi, produit des articles de décoration exceptionnels et des ustensiles utiles en argile. Ajoutons à cela le travail des métaux, du cuir, des tapis, du bois, du plâtre, etc. Les artisans marocains, groupés en coopératives, sont bien organisés. Ils fabriquent des objets connus pour leur qualité. La finesse de l'artisan marocain apparaît surtout dans l'architecture traditionnelle des mosquées, des minarets, des médersas. Un artisan, celui qui fait un travail manuel. Exemple, le potier, le plâtrier, le bijoutier. Un minaret, la tour d'une mosquée. Exemple, le minaret de la Koutoubia à Marrakech. Une coopérative, personnes unies pour travailler en groupe. Exemple, la coopérative scolaire. Ustensiles, objet ou instrument d'usage quotidien. Exemple, les assiettes, les bols, les tagines. Informer et s'informer sur la civilisation marocaine, l'artisanat marocain. L'artisanat marocain est riche et varié. L'artisan, qu'il soit arabe, berbère ou juif, produit des merveilles. Les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très appréciés. La poterie, elle aussi, produit des articles de décoration exceptionnels et des ustensiles utiles en argile. Ajoutons à cela le travail des métaux, du cuir, des tapis, du bois, du plâtre, etc. Les artisans marocains, groupés en coopératives, sont bien organisés. Ils fabriquent des objets connus pour leur qualité. La finesse de l'artisan marocain apparaît surtout dans l'architecture traditionnelle des mosquées, des minarets,
des médersas. Un artisan, celui qui fait un travail manuel. Exemple, le potier, le plâtrier, le bijoutier. Un minaret, la tour d'une mosquée. Exemple, le minaret de la Koutoubia à Marrakech. Une coopérative, personnes unies pour travailler en groupe. Exemple, la coopérative scolaire. Ustensile, objet ou instrument d'usage quotidien. Exemple, les assiettes, les bols, les tagines.